press start to play. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, je suis heureux, je suis... vous pouvez même pas savoir de quel sentiment je suis. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on a créé cette chaîne, depuis que cette chaîne existe, auquel je suis heureux, mais très heureux, de vous présenter un jeu. Et ça, c'est pas n'importe quel jeu que je vais vous présenter. Et qu'on va faire du coup en let's play, donc je vais venir. C'est pour moi la quintessence même de ce qu'on devait faire à la base sur le pseudo de Mad City qui maintenant est devenu Geek City. C'était vraiment de montrer des anciens jeux. Et, bon, on n'avait pas les capacités. Et là, on nous a offert cette année une chance incroyable. C'est que là, pour moi, rien qu'avec cette musique, écoutez cette musique. Si honnêtement, vous êtes pas né, vous êtes né dans les années 90 et que cette musique nous fait rien, si vous êtes passé à côté de quelque chose de monumental, vous êtes passé à côté de quelque chose de monstrueux d'un jeu vidéo, dans le genre du jeu vidéo. Et c'est magnifique parce que là, moi, je vous le dis, je vous lance mon âge, j'ai 34 ans, je suis très content. Mais là, rien que de voir déjà cette image là, alors là, j'ai fait exprès, bien sûr, vous avez bien compris, on est sur Tomb Raider Remastered 1, 2, 3, je vais vous le prouver d'ailleurs, à plat. Voilà le petit changement. Mais dans cette saga qu'on va faire, parce qu'on va faire tous les Tomb Raider que j'ai et qui sont disponibles pour moi, on va d'abord les faire en mode version ancienne. Attendez, je vais baisser un petit peu le son de ma télé du coup parce que c'est un peu fort. On va le faire en version ancienne. Ça veut dire vraiment dans la version la plus oldies du jeu. Vraiment, vraiment. Ça veut dire qu'on va faire avec l'ancien graphisme, les anciens graphismes et le gameplay. On va faire d'abord le 1, le 2, le 3 en mode version oldies, et ensuite on refera 1, 2 et 3 en version remastered, et ensuite derrière, si jamais il y a un 4, 5, 6 qui serait sorti d'ici là, parce que je pense que d'ici le temps que tout soit bien finalisé et tout soit bien posté sur YouTube, je vais faire en sorte que le premier épisode ne tarde pas trop à venir. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 février. On est le 14 février 2024, c'est le jour de sortie, ça fait déjà plusieurs heures que le jeu est disponible, il y a déjà eu des vidéos, j'ai moi-même résisté, et je dois l'avouer, j'ai résisté pour ne pas lancer le jeu dès que je l'ai eu, parce que je l'ai précommandé bien sûr, mais j'étais faible parce que j'ai regardé quand même une vidéo de découverte qui dure une heure, donc de notre chère Adeline. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sa chaîne et ses let's play. D'ailleurs, elle a fait quelques let's play déjà sur Tomb Raider. Elle a fait le 6. Bon, c'est pas Tomb Raider, mais bon. Elle a fait le 6, elle a fait le 4, elle a fait le 5. Elle a fait le premier en live, du coup, de cette version-là. Elle va dès demain soir, donc du coup, le 15, mais ce sera trop tard, mais je le dis. Mais de toute façon, je vous rappellerai dans le live que je ferai qu'elle fera le 2 en version remastered aussi. Et je serai présent pour regarder, bien entendu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour vous faire aussi un avis. Autre que le mien sur Tomb Raider, et vous allez voir, c'est un truc totalement génial. Donc là on est parti, c'est vraiment sur un fil rouge. Je vous explique, on va faire, donc comme j'ai dit, on va faire Tomb Raider 1, 2, 3 version oldies, bien sûr sur PS4, mais avec le gameplay de l'ancien temps. On va refaire aussi derrière le 1, 2, 3 version remastered, du coup on va découvrir vraiment les nouveautés, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce que... Voilà, ça sera encore frais pour ma part, parce que je vais les enchaîner de suite, la fin. Ensuite, si jamais, bien sûr, le 4-5-6 sort, on fera le 4-5-6. Et derrière, je vais enregistrer, et j'ai déjà prévu le jeu et tout, le Legend Anniversary et Underworld, pour, bien sûr, arriver sur les lives, bien entendu, de Tomb Raider Company. Comme ça, quand j'arriverai sur les lives de la saga Tomb Raider, il y aura vraiment une grosse partie de Tomb Raider qui sont faits, ça veut dire les Remastered, plus la version PS3, plus les derniers, plus le dernier reboot en cours. Donc ça va faire une belle saga de Tomb Raider qui va sortir qui passeront en live. Ce sera pas pour tout de suite parce qu'il y a d'autres jeux bien sûr bien avant. Mais c'est pour ça que là du coup je m'attends vraiment à faire du Tomb Raider maintenant. Comme ça, ça me fait bousculer un petit peu tout mon programme de diffusion des jeux que j'ai prévus.
parce que j'ai plein de jeux qui sont enregistrés à l'avance. Et ça décale un peu tout, mais c'est pas bien grave, ça va être en alternance dans tous les cas. Ton modèle va être en alternance avec notre jeu. On va faire pareil, le principe des 25 épisodes par saison, si jamais ça dure plus longtemps. Et du coup, ça va faire traîner longtemps. J'espère que ça durera le plus longtemps possible, Tomb Raider, parce que dans tous les cas, Tomb Raider, c'est pour la vie, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer vraiment avec la version originale. On est vraiment en 1996. J'ai 7 ans, je crois. Je crois qu'à ce moment-là, je devais avoir... ouais, 96, je suis né en 89. Donc, 95, ça fait octobre 95, ça fait 6 ans. Je devais avoir 6 ans et demi à sa sortie sur PlayStation. J'ai encore des souvenirs et tout. Alors, c'est sûr, maintenant j'ai souvenir du premier niveau parce que je l'ai revu ce matin. Mais wow, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent en mémoire. Rien que la nostalgie, rien que la musique, j'entends la musique, j'ai des frissons, frère. J'ai des frissons dans le corps. Ça m'arrive jamais. Et pourtant, j'en ai fait des jeux que j'ai tellement adoré. Mais là, de me dire, putain, je replonge en arrière. C'est comme un peu Sonic. Avec Sonic premier du nom, The Hedgehog, parce que je suis un grand fan de Sonic et j'ai adoré le premier opus sur Mega Drive. Mais c'est pareil, j'ai la même sensation que si je faisais du Sonic en fait. Mais là, cette fois-ci, c'est pour PlayStation. Et c'est pour plein de raisons, parce qu'en fait, la PlayStation était la première console, mais sur 3D de Sony, bien entendu. Mais c'était une révolution. On a eu quand même des grands jeux là-dessus, les Tomb Raider, les drivers, on a eu quelques drivers, on a eu les Die Hard, les adaptations des Die Hard. On a eu Final Fantasy VII, bien entendu, j'ai parlé déjà dans un test. Enfin, bref, on a eu plein de choses. Et c'est vrai que moi, rien que le fait de me dire que je vais jouer à ce jeu, que je n'ai plus sur la version originale, je n'ai pas le jeu sur la version originale, je suis dégoûté. Et bien, je suis content. Je suis content de pouvoir le faire parce que je me dis, putain, c'est un jeu que j'aurais aimé faire, que j'aimerais faire en vidéo. Et bien, ça y est, j'ai la potentialité de le faire. Je n'ai pas triché, je n'ai pas téléchargé le truc illégaux ou quoi que ce soit, parce qu'en plus, pour vous expliquer, on a dans cette compile, parce que c'est une compile du coup, et on a aussi des DLC qui sont sortis, mais qui étaient sortis qu'en version PC à la base. Ils sont jamais sortis sur PlayStation, donc ils sont sortis qu'en version PC. Et là, on a tout l'intégral des jeux. Et franchement, ça va être un pur kiff total, j'en suis sûr et certain. Et je sens que je vais aussi galérer, donc on va un petit peu regarder, non c'est pas ça, je me suis planté, c'était, voilà, les tomates. Donc on va, contrôle du char, ça c'est sûr et certain, modifier touche de contrôle, alors avant, c'est tac tac, parce qu'il faut expliquer qu'en fait, on va le voir de suite, marcher, sauter, action, ok, ouais, ça me semble bien que ça c'était X, arme, ok, regardez, ok, faire voilà, pour ça c'est habituel, évite, ah oui, d'accord. D'accord, on n'a pas les touches L2, R3, L2, R2, bon R3 et L3, ça n'existait pas à ce moment-là. Parce qu'il faut rappeler, juste, je vous montre la manette de la PS4 qu'on a. Mais imaginez la manette PS1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était, on n'avait pas ça. On n'avait pas les joysticks qui étaient là. Allez, je vous montre un petit peu. Les joysticks qui sont là, les joysticks qu'on pouvait voir là, donc je vais essayer de vous montrer à la caméra. Les joysticks ici et ici, je ne sais pas si on voit bien, n'existait pas à ce moment-là. On avait une version de première manette où on n'avait pas ces joysticks-là. On utilisait les touches directionnelles pour se déplacer. Et en plus, la manette, elle était grise. Bon, là, maintenant, elle est noire. On a les joysticks. Mais comme on va jouer à l'ancienne, et bien on va jouer sans les joysticks, bien entendu. Allez. Motivation, ok, zone morte, bon, ça, on s'en fout, rien. D'accord, oh, je suis trop content. Allez, on va commencer par le premier, bien sûr, les premiers niveaux les plus cultes. Là, je connais, c'est les demeures de l'art. Regardez-moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors, c'est pixelisé, c'est normal. Je pense que les scènes cinématiques n'ont pas été retravaillées dans le mode remastered. Là, on le fait en mode original, donc ça va être vachement, je pense, pixelisé. Je m'en excuse Bienvenue d'avance. Chez moi. Je vais vous faire visiter. Mais, oh, putain, que... Ah oui, c'est vrai, j'ai l'habitude d'appuyer sur... Ah, regardez ça. Ah ouais. Ah si, par contre, on peut jouer avec le joystick. Mais je pense que je vais essayer de jouer avec les touches directionnelles. Pour vraiment me plonger dans l'ambiance du premier opus. Wow, la vache. Oh là là. Oh là 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 là. Mais que c'est bon, ça. Mais que c'est bon. Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche de saut. Recommencez en appuyant sur une touche fléchée et je sauterai dans cette direction. Ah ouais, elle pouvait sauter sur le côté. C'était trop bien, ça. Merde, attends. Ah, c'est trop bien. Attends, est-ce qu'on pouvait faire... Non. Ouais, c'est pas dans celui-là qu'on pouvait faire. Ok.
Ah, c'est trop génial. La maison de Lara Croft, on a tous rêvé de la visiter un jour ou l'autre. Et une particularité, alors c'est vrai qu'on ne peut pas la voir là parce que je ne peux pas bouger la caméra, mais elle avait les seins qui pointaient à ce moment-là. Alors, attends, est-ce qu'on peut. Est-ce que je peux la mettre comme ça? Normalement. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, les jeux 3D étaient faits sous forme polygone à ce moment-là. Vous pouvez voir les seins qui pointent. C'est pas un mauvais jeu de mots. Attention, c'est vraiment ce qu'on appelle nous les seins triangles. Le fait qu'on n'avait pas de couette, ils n'avaient pas réussi à l'animer ça. Donc, du coup, c'est fait en forme de queue de cheval. Oui, c'est une queue de cheval. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est bouclé, quoi. Et du coup, voilà. Mais parce que, En en voici un termes grand de. hall. Excusez les ordres, mais je veux tout envoyer aux garde-meubles et les déménageurs ne sont En toujours pas arrivés. termes de graphisme, ils n'avaient pas eu le temps d'intégrer tout ça. Et puis c'était aussi le début de la nouvelle 3D. Donc c'était une totale découverte pour les développeurs. Maman, qu'est-ce que je me régale. Oh, je suis comme. Je vous jure, j'ai 6 ans. Je suis un gamin. Je suis un gamin, ça y est. Je redis. Pour ouvrir une caisse et appuyer en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action, je sauterai dessus. Alors, toute action, on avait dit que c'était. Voilà, X. C'est des bruitages et tout. Et par contre, une chose, je suis content, et c'est là où on avait tous un gros doute. Ah, attends, je croyais qu'on pouvait passer comme ça. Ah, trop tôt peut-être. C'est que, est-ce qu'on allait avoir la voix française, donc la fameuse voix de Françoise Cadol, qui est la doubleuse, qui était, je sais plus si elle est maintenant encore, mais qui était la doubleuse officielle de Lara Croft. C'était autrefois la salle de bal. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu, en On fait. a une grande salle de Quand bal. je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyer sur la touche de marche et avancer jusqu'à la ligne Alors, blanche. autre explication. Pourquoi ils n'indiquent pas les touches? C'est parce qu'avant on avait un pavé comme ça de manuel qui nous expliquait les touches où on devait appuyer. C'est pour ça que avant de lancer pas avant de lancer la vidéo, mais avant de lancer bien sûr le niveau d'entraînement, j'ai regardé un petit peu les touches pour voir et pour m'en rappeler de voir ce Si que j'appuyais c'était. encore sur la touche de marche, je ne tomberais pas. Même si vous insistez, si Ah, vous ça voulez c'était le examiner cas. les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de Alors, direction. attends. Voilà. C'est que je crois qu'on avait dit que L2 et R2 ne servaient que dalle pour cet opus. Donc là, L1, R1, pardon, non, L1 pardon, pour regarder et R1 pour avancer. Pas le joystick, pas le joystick, pas le joystick. C'est difficile de se dire focus Si je ne sur le peux pas joystick. sauter assez loin, je peux toujours me rattraper de justesse pour ne pas tomber. Alors, attends. Avancer vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête de moi-même. Ensuite, appuyer sur la touche de saut et tout de suite après, sur la touche fléchée haut et maintenez la touche d'action enfoncée pendant que je saute. Et sur la touche fléchée haut pour me faire grimper. Alors, je tiens juste à signaler, j'ai vu la vidéo et donc Adeline qui a fait ça, elle n'a pas réussi à le faire. Elle n'a pas réussi à le faire, moi il m'a fallu 2 secondes. Bon, après, parce que j'ai vu sa vidéo, mais Si je prends de juste, c'est des l'élan, souvenirs je avancer jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce sont que je très bien. m'arrête. Et appuyer sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Voilà, donc c'est ça en fait la Appuyer demande ensuite de sur la savoir touche ça. fléchée Non. haut et sur la touche de saut tout de suite après. Ah, juste Mais en fait, retenir je ne ce qui se sauterai qu'au passe. dernier moment, je ne suis pas folle. Voilà, et là. Ok. Moi, je suis trop content. Vous imaginez même pas à quel point je suis content. C'est plus difficile. Ouais, c'est ça. Exactement le même saut, mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Bien joué. Après, comme excuse, Adeline n'avait pas, ne jouait pas sur console et jouait sur PC, donc elle n'a pas les réflexes comme moi. Et surtout que j'ai pu voir sa vidéo aussi ce matin, du coup, ça Nous m'a un allons peu essayer de aidé. sauter ici. Appuyez sur. Je n'ai pas la place de grimper Ah merde, ici, mais il si faut vous rester appuyez appuyé. sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Allez, écoutez-moi ce bruitage, magnifique. Oh oui, je me rappelle comment on fait le poignet. Ah non, mais je pas. Mais. Appuyez Attendez. sur la touche fléchée pour que je me laisse tomber. Attends. C'est juste Si pour je garde la savoir. touche d'action enfoncée, Ouais, c'est ça. je me rattraperai dans ma chute. Ok, donc ça c'est le poiré. Attends, je me rappelle comment on le fait. Oh la vache. Et normalement, si je me trompe pas. Voilà, le saut de l'ange, il est là, les amis. Ah, et puis c'est que du plaisir, que Maintenant du un bonheur. bon bain. Que du La bonheur. touche de saut
et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Je vais vous montrer un tout petit peu, vite fait, le mode remasteré de ce niveau. Regardez. Donc, j'ai permis, avec la touche option de changer. Hop là. Donc, c'est sûr. Ah ouais. Ah oui, il y a quand même un bon petit changement, quoi. Ah ouais. Mais on va rester en mode ancien. Il va falloir tenir le coup, les gars. Il va falloir tenir le coup pour finir en mode ancien. Attends qu'on finisse pour nager. Ok. Donc carré c'est pour nager. Très bien. Donc là vous pouvez voir, c'est ma part d'oxygène. Ah, j'ai oublié. C'est vrai, il faut que je décale ça. Est-ce que mon PC va bien vouloir le décaler? Pas décaler l'image, pas me tout bloquer comme d'habitude. Ça me bloque tout. Hop. Allez. Non! Ah, c'est chiant. Voilà, mets-toi en bas, s'il te plaît. Voilà, là, comme ça. Il n'y aura rien qui gêne. Ah, oh, de l'air. Utilisez chez avant, gauche et droite pour me faire nager en surface. Appuyez sur la touche de saut pour me faire plonger et nager sous l'eau. Faire sortir, dirigez-vous vers et appuyez sur la touche d'action. Voilà. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur de ne pas le faire en mode remastered, mais là j'ai trop envie de déjà moi-même de le faire déjà à 5%. Il faut savoir que j'avais 5 ans, 5, j'avais 6 ans. Super. Bon, je fais des événements mouillés. Quand j'avais ce jeu, je n'ai jamais pu le finir. Oh, trop facile, j'ai jamais pu le finir. Donc c'est pour ça que en même temps j'ai envie de le faire. Et en même temps je me dis, je vais me prouver à moi-même que j'ai arrivé à le terminer. Peut-être avec des soulices, peut-être sans soulices, mais au moins d'arriver à finir ces 3 jeux. Bon, sachant que c'est pas le plus dur qu'on va faire. Allez, nouvelle partie. C'est parti, les gars. C'est parti. Ah, attendez, juste un truc. Ah oui, si, oui, petit message. D'accord. Parce que je voyais pas très bien sur mon écran ce matin, c'est pas grave. Et mine de rien, même si c'est pixelisé, c'est quand même encore assez joli, hein, je trouve. Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. Ferme, Larsen. Dame. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Faites voir ça. Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors, le Pérou. Immense montagne à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Kualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre de...
même les temps de chargement sont là. C'est très court. C'est très très court, mais les temps de chargement sont là. J'ai vu que la scène cinématique est assez pixelisée, mine de rien. Alors, je vais voir si dans les menus, on peut avoir quelque chose. Donc, on a l'inventaire qui est là. Et le menu du jeu qui est juste ici. Alors, touche de contrôle, j'ai envie de voir si on peut, si on peut faire quelque chose pour... zone morte, c'est quoi zone morte? On s'en fout. On peut pas. D'accord, je voulais voir si on pouvait au moins arranger peut-être le grain d'image. Mais on peut pas. Donc c'est pas grave. On va faire en sorte que ça va être comme ça. Donc on voyait les armes. Donc tac, tac. Donc là, on peut sortir les pistolets. Et c'était quoi? C'était quoi déjà la touche? Ah oui. Non. Comment on fait déjà pour tout? Ah oui, c'est ça. Donc ils sont riquiqui les policiers, j'allais dire, les pistolets. Mais là, ah, ce premier niveau. Donc voilà. Bienvenue dans le tout premier Tomb Raider du jeu. Ça y est, on y est. Ah putain, je me fais toujours toucher par les flèches. Allez, c'est parti. Let's go. Donc là, on est au Pérou. On doit aller chercher une sorte d'appareil magique. On ne sait pas encore ce que c'est vraiment. Hein. Attention, on ne sait pas ce que c'est du tout. Mais voilà, regardez-moi cette beauté. Mais je suis quand même fou. C'est que c'est de 96. Et je trouve ça encore assez joli, même maintenant. Je pense que je ne vais pas être objectif du tout pendant tout ce let's play. Parce que je trouve ça joli, je trouve ça encore assez joli. Donc là, il y a un petit truc. Tout le monde le sait. Ah, la musique pour les secrets. Les trousses de soins. Ah ouais, elles ont été un petit peu. Elles ont été refaites. Ouais, bon, les trousses de soins ont été refaites. Parce que elles, dans mes souvenirs, elles n'étaient pas comme ça, les trousses de soins de base. On va se cogner partout. Dans tous les cas, je vous le dis, on va se cogner. On va. Après, je veux. Pas jouer avec le joystick, moi. Ah, ça va pas. Réflexe con. Réflexe habituel de jouer à d'autres jeux vidéo. Mais là, Dieu, que je suis content. J'ai plein de souvenirs qui reviennent en mémoire. Là. Je me revois. Ah, je crois que là, il y a des amis. Bah, ouais. Donc, vous pouvez voir, Lara, elle tend littéralement ses bras dès qu'il y a des ennemis. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc par ici. J'ai pas de souvenir par contre, il y avait un truc par ici quand j'étais... Ah si, d'accord, ah oui, je me rappelle même pas, genre. Voilà, bim. Ah, je peux pas sauter. Ah, ça revient par là peut-être. Non, ah. C'est bon. Et ouais, faut bien calculer son saut. Ah, ok, d'accord. Donc pour l'instant, elle ne peut pas encore. Ah, il faut vraiment calculer à quel moment il faut appuyer pour sauter. Bon, on s'en fout, c'est pas bien. De toute façon, mon but, c'est de pas faire tous les secrets, bien entendu. Mon but, c'est vraiment de vous proposer une aventure inédite sur cette chaîne déjà pour commencer. Et puis vous proposer l'aventure de Tomb Raider, quoi. Peut-être que moi, je me rappelle. Ah, j'ai plus de souvenirs par contre, parce que c'est plus récent, de Tomb Raider Anniversary. Donc j'espère que les souvenirs de Tomb Raider Anniversary vont m'aider à finir ce Tomb Raider. Ce Tomb Raider, je n'ai jamais terminé de ma vie. Hein, j'ai jamais réussi à dépasser. Je crois que c'est le monastère que j'ai réussi à dépasser. Alors, là. Attends, je me rappelle un tout petit peu. Ok. Parce que je croyais qu'il y avait une vidéo, c'est pour ça. Ouais, c'est ce que je dis, j'ai peut-être mes souvenirs qui vont peut-être se mélanger avec un peu de Tomb Raider Anniversary, parce que quand même, il me semble que dans Tomb Raider Anniversary, si on tombe, on est mort. Mais ouais, en tout cas, je trouve encore super bien fait malgré tout. Mais encore une fois, je suis pas objectif. Voilà. Je dis ça comme ça, mais je suis vraiment pas objectif. Hein. Allez, passe-toi. Et pas un loup là, à la base. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour. D'accord, c'est plus tard. C'est peut-être plus tard alors. Peut-être j'ai confondu des lieux. Donc il n'y aura pas beaucoup de musique non plus dans ce genre de. Dans ce jeu si je ne me trompe pas. Mais vous allez voir les musiques qu'il y a, c'est des musiques assez cultes maintenant, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon. C'est des musiques où ça va nous donner un petit peu de frisson. Hein.
Je vais le répéter encore plusieurs fois, mais je suis très content de faire ce jeu. Alors là, si je sais bien, si je me rappelle bien, je tombe, il y a des loups qui viennent me bouffer. J'ai un souvenir d'une fois où je vais raconter quelques anecdotes quand j'étais gosse. Je suis allé chez le cousin de mon. Je crois que c'était le cousin de mon père. Il avait un enfant. Un tout petit, hein, maintenant il doit avoir mon âge à peu près, je pense. Et on a joué à un jeu, donc on a joué à Tomb Raider. Il est sûr, lui, il n'avait pas passé le premier niveau. Et moi, j'étais enfant à ce moment-là. Et le premier niveau, c'est-à-dire toute cette zone, je crois que c'était la zone du Pérou, si je ne me trompe pas. Toute la zone du Pérou, je la connaissais par cœur. Et lui, il avait commencé à jouer. Et ça m'a marqué. Hein. Et arrivé à cette séquence, il a fait « Non, je veux pas voir les loups, tiens, je te passe la mallette. » Et du coup, c'est moi qui l'ai fait. Et je vous jure, j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans en ce moment-là. Et j'étais quand même fou. Mais moi, Tomb Raider, ça a été vraiment une licence phare, je trouve, sur PlayStation. C'est vraiment la limite, c'est la seule saga que j'ai achetée tout le temps. Et c'est pour ça que je suis dégoûté, parce que c'est une saga que j'aimerais avoir complète. Mais le problème, c'est que bon, maintenant, trouver les premiers opus, c'est très difficile. Là, c'est mon plus grand regret, mais d'un côté, tant mieux parce que ça allège dans la difficulté. C'est que si tout le monde connaît ça, là, il y avait une sauvegarde. Il faut savoir que à cette époque-là, les sauvegardes se faisaient sur carte mémoire. Et ouais. Oh, j'ai fait le saut, j'ai fait le vivou là par contre. Allez. Ah, je peux pas sauter. Oh, finesse. On a pas sauvegardé, donc du coup, c'est un peu la galère. Oui, donc du coup, je disais, faut que je fasse attention à ça. Waouh, il y a 2 secondes. Pff, on n'a pas le temps de respirer. Je disais, si tout le monde connaissait déjà les Tomb Raider, les premiers Tomb Raider, surtout le premier, sur PlayStation, il n'y avait pas de pile de sauvegarde intégrée dans le jeu, c'était une carte mémoire qu'on mettait sur la console. J'essaierai de vous en trouver une si j'en ai une pour voir. Je crois que je dois avoir sur la console que j'ai, mais je sais pas si. Je sais pas. Ah, je me trompe de touche. Pour tirer. Moi, bon, c'est pas grave. Là, normalement, si je me trompe pas, il y a un soin. Pas ici. Voilà. Et arrivé donc à cette zone-là, donc la zone de l'ours. Arrivé à la zone de l'ours, il y a un point de sauvegarde. Et ces points de sauvegarde-là étaient très très importants parce que du coup, tu n'avais que très peu de sauvegarde dans tout le jeu. Dans tous les niveaux, tu avais très peu de sauvegarde. Alors, je peux remonter par là. J'ai envie de passer sur le mode. Attends. Ah ouais, non, c'est fou. Bon, allez, j'arrête. J'arrête avec la version remastered. Là, on se concentre vraiment sur l'ancien, hein. Et le remastered, on le fera quand on aura fini tous les jeux, c'est-à-dire dans 150 ans. Vous savez, j'aurais le temps déjà de voir toutes les versions remasterées des autres jeux avant de faire celui-là. Non, j'espère qu'on le fera le très rapidement possible. Alors, je sais pas encore si, pour ma part, je le ferai de suite après avoir fini celui-là, ou si j'attends d'avoir fini les trois jeux, je sais pas. J'avoue que j'ai un gros doute. Donc c'est vrai que les sauvegardes ici, dans ce premier jeu, étaient vraiment très limitées. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé. Alors, je pense que j'ai intégré une sauvegarde automatique. Pas une sauvegarde automatique, mais une sauvegarde. Déjà, tu as une sauvegarde par fin de niveau, mais je pense que tu peux avoir une sauvegarde dès que tu as passé une. Je pense que tu. Pardon, je reprends ma phrase. Je pense que tu peux sauvegarder quand tu veux, à partir du moment où tu as passé une zone difficile. Voilà. Si je ne me trompe pas, on va regarder ça de suite. Ça c'est la boussole, le jeu. Voilà, donc on peut se regarder parti, voilà, on peut se regarder quand on veut. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc on essaiera de se regarder quand on n'a pas fait. Quand on a fait un passage vraiment difficile ou quand on arrive par exemple à la fin d'une vidéo et que je peux pas reprendre l'enregistrement de suite, là on s'en regarde. Allez, on continue cette belle aventure. Alors, je crois que là il y a des loups. Allez, musique. En fait, pour vous expliquer, la musique, à chaque fois qu'elle apparaissait, ça veut dire qu'il y avait un danger quelque part. Ah!
Ça, je me rappelle de ça. Ah, une trousse de soins. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, on a accès à deux sortes de trousses de soins, les grandes et les petites. Les grandes nous soignent intégralement et les petites, bien sûr, petit à petit. Alors, attends. Ça va être compliqué, ça. Ça va être très dur. Ah, bonne mémoire. Ouais, je crois qu'on peut faire comme ça. Parti droit. Ah! Non, je suis mort. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ça passe pas. Ça passait. Punaise, c'était chaud. Ah, j'ai vu la séquence où Brooke. Là, on commence tout le niveau. Donc, je pense que si jamais je referme pas, je passe pas la porte là de suite, je pense qu'on peut sauvegarder parce que j'ai pas envie de tout me retaper pour le coup. Allez. Toujours sortir ses armes quand on arrive dans une zone qu'on ne connaît pas. Je suis arrivé à pas me faire toucher, c'est génial. Alors, comment on fait? J'avais oublié comment tirer déjà. Je joue comme si je jouais sur ma PC. Alors attends. Là, normalement, on arrive. On arrive pas loin de la fin du premier niveau, de ce premier niveau, il me semble. Ouais. Ouais. Par contre, je sais plus de quel côté c'est. Ah, je crois qu'il y a un truc par là. Pareil, sortir les armes, il me semble qu'il y a. Il y a un ennemi. Ah, il y a une trousse. Bah, vous pouvez le voir, le premier, franchement, les deux premiers niveaux, si je dis pas de bêtises, le premier niveau il est trop facile. Le premier niveau il est largement faisable pour tout le monde. C'est après que ça se complique. Ah, je crois qu'en plus c'est un chrono. Ah, là, je sais plus par contre. Je sais plus par où il faut passer. Ah, j'ai perdu un petit. Ah, c'était là-bas. Putain, il m'a fait peur. Voilà. Fin du premier niveau. On n'a pas mis beaucoup de temps. On a ouvert 2 secrets sur 3, 5 objets sur 7. Bon, après, je te redis encore une fois, on n'est pas là pour ça. J'ai utilisé 191, 191 munitions, la vache. Allez, c'est parti. On va continuer, de toute façon, je m'arrête au bout de 40 minutes, vous le savez. Mais on va continuer, on va essayer d'avancer le plus loin possible. C'est pour ça qu'on va utiliser vraiment les sauvegardes. Je crois que là, il y a... Alors. Là, j'ai un peu moins de souvenirs déjà, ça fait très longtemps. J'ai quelques souvenirs qui reviennent, mais là, un peu moins sur ce niveau-là, par contre. Et pourtant, je le connais aussi. Qu'est-ce que. J'ai un souvenir d'un ours, pas loin. Ok.
Ok, donc c'est là qu'on va commencer les difficultés du jeu déjà. Le premier niveau, vous voyez, c'était une ligne droite. Et là, déjà, on commence déjà à se perdre. Mais moi, je sais même plus. Je sais qu'il y a tout un cheminement à faire, mais après, c'est pas grave, on va essayer de faire, on va essayer de se rappeler. Déjà, on va faire ça. Ça, c'est le réflexe toujours de faire un truc comme ça, parce qu'on sait jamais s'il y a un trou ou pas. Là, il n'y a rien. Ok. Je savais plus ce qu'il fallait faire. Ça aussi, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. La rat qui pousse et qui tire des gros blocs. Alors regardez, pour tirer, normalement c'est ça. Déjà, tu fais ça, tu te pètes les genoux. Je sais pas comment c'est. Donc là, je crois qu'en fait, faut pas le tirer. Je crois qu'il faut le pousser, lui. Alors, attends. Et pour pousser, en fait, c'est dans le sens. C'est tous actions flèche haut pour pousser et tous actions flèche bas pour tirer. Ok. Allez, faut que je pousse encore. Non, c'est bon. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là déjà? Parce que faut que j'arrive à me rappeler. Des chauves-souris. Faut que j'arrête de me tromper de touche. C'est horrible. Je me trompe toujours de touche. Alors là, il y a un truc. Une clé. Très bien. Donc on a la clé. Et ici, est-ce qu'on a un truc pour... Ah oui. D'accord, on a un trésor. Alors on peut regarder ce qu'on a hein, dans l'inventaire. Donc on a la clé d'argent et une idole dorée. Ok, je crois que l'idole dorée, c'est pour la fin du niveau, si j'ai bonne mémoire. Sauf que je n'ai pas de bonne mémoire. Chez moi. C'est bon. Bon, en tous les cas, on va pas tarder à s'arrêter. Lâchez-moi. Je suis bouffé par les vampires. Par les vampires. Par... Ah, attends, il y a une trousse. Il y a une trousse, je l'ai pas vu. Oh la vache, j'étais à la pénombre et tout. Ouais, faut l'avoir là. Là, j'avais vraiment pas vu. Bon, les amis, écoutez, j'étais très content de commencer ce let's play. J'espère que vous aussi vous allez adorer. J'espère qu'on va s'éclater à le faire. On va s'éclater d'ailleurs à faire ce let's play sur la chaîne. Je vais vraiment prendre mon plaisir et je vais vraiment bien kiffer. Voilà, comme je vous ai dit, là, je vais essayer de faire en sorte que le premier épisode va être diffusé très rapidement. Il manque encore pas beaucoup d'épisodes de notre jeu pour mettre en ligne, pour pouvoir mettre en ligne celui-là. Donc ça sera dans les prochaines semaines, ça c'est sûr et certain. Donc ce sera pas le 14 février, mais ce sera d'ici 2 semaines, je pense. J'espère, peut-être, plutôt possible. Je vais essayer de mettre le plus tôt possible pour voir si je peux le caler. Ça va être compliqué parce que c'est vrai que ça va faire très chargé après sur la chaîne, c'est ce qui me fait un peu peur. Mais voilà, donc ça va être très rapide. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on va enchaîner. Moi, de mon côté, je vais enchaîner pas mal de Tomb Raider. Bien sûr, il y aura des pauses sur la chaîne par rapport à ça. Mais voilà. Bref, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu.
C'est pas marqué dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et si vous aussi, vous êtes un ancien comme moi de cette génération-là, et si vous êtes nostalgique aussi de cette génération-là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Bref, merci à vous, c'était J pour Geek City, et je vous dis à très vite pour les aventures. Ciao, ciao!